notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga, 16 mm. Papa, na Kevin, hein, agence 16. J'étais à Mila, Bazapo, Katessa, Kokola. Toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous trouvez. Nous sommes en direct sur l'Info 16. Mesdames et messieurs, nous sommes ici sur le musée national. Nous avons invité le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simo Kimbangu, Akoyeb Sabiso en paix des mots. Nous sommes retrouvés ici pendant quelle sorte il y a cérémonie. Il est là, il va maintenant répondre à certaines de nos questions. Bonjour prophète Benjamin Kawanga. Bonjour mon frère, bonjour na bande konyoso bazola na biso na Info 16. Bon, tout ça réuni autour de quoi? En tout cas, on voit Ibsabiso en paix des mots, de façon que Bandeko, Bazola Ndabiso de partout, Bayeba, qu'est-ce qui se passe au schiste? Oui, Bandeko Nyonso, Bazola Ndabiso, Bayeba, que Tozali na Kinshasa, précisément na Musée National. Et na Musée National, lelo le 30e jour, il y a 12e mois, et Zali Mukolo Oyo, les artistes, Oyo, nous sommes partis, mouvement citoyen, décidé que pour commémorer la mémoire de Bandeko na biso, Oyo, Oyo, Boma Bango. Ça veut dire nos frères qui ont été tués. En l'occurrence, mon bien-aimé, le regretté Rossi Mukendi Chimanga. Et il y a mon bien-aimé Lik Kulula, dont Ezali, une sorte de représentation échantillon, et les autres, Oyo Bande Konabiso, mouvement citoyen, ils ont décidé que Lilo Ezala Mukolo, il y a commémoration, il y a le martyr de l'alternance démocratique. Et donc, c'est à cette occasion que Tozali invité ensemble de Nabande Konyonso pour commémorer. Mémoire, il y a Bandeko na biso, Oyo ba Boma Bango, pour une élite de la liberté, une élite de l'indépendance. Prophète Kawanga, l'incarnation de Simo Kimbangu. Mais na ba fiche awa to moni seulement photo ya deux personnes to moni Bandeko na biso Rossi Mukendi, Bandeko na biso Lik, mais to moni na ba réclamation Oyo ba mouvement citoyen et puis ba confession religieuse ba salaka à l'occurrence ya Thérèse Kapanga ba sala mais awa to moni ba mi na ba honte ba porter na ba honte. Alors qu'est-ce que vous allez maintenant expliquer par là? Bon, en fait, ce que je vais expliquer par là, Ezali, Tosololi na Bandeko, au Bazali, organisateur, rassurer Bissokeoi, Ezali qui juste d'abord aux premières sorties, Ezali comme échantillon, il y a les deux personnalités, au Bazali qui plus actif. Et d'abord, parce que Moutoumou Kwa Bosanete qui a vu sur Rossi Mukendi a été plus actif, dès qu'on a vu sur Lik Kulul a été très actif, ce qui est en train de l'image, il y a des soldats qui ont été arrêtés dans Goma, partout, la police est beaucoup moins en Bango, mais il y a une sorte de représentativité. Et donc, mais la suite, il y aura encore d'autres manifestations, nous allons récolter. Mémoire et Bandeko na biso nyonso. Parce que comme Oyebi que ngai personnellement et dans notre mouvement l'Union des Congolais pour la libération totale, nous nous sommes engagés pour la qualité à des objectifs principaux qu'on appelle le sang et le sol. Ça veut dire que Makila taille à Congolais mon côté et beau sananati. Congolais mon côté au Babouma et na Mboka Oyo, ata Makila na mon côté Babou Sanango. Ne Bandeko na Benjamin, au Babouma na par exemple en Équateur, Bandeko na biso mususu ba Thérèse Kapangala, ba massacre à Kamwe na Sapu, massacre à Boudi da Congo. Donc tout, c'est notre élite et les massacres à l'Est, ne parlons même pas Beni partout.
Alors, nous avons la mission d'unir toutes les forces citoyennes et récolter la mémoire de Bandeko na biso nyonso oyo bakufa et lutter pour que la reconnaissance officielle, nationale, voire même internationale, ezala effective. C'est comme ça que ngai dans ma qualité ya prophète nenga otikoloba incarnation ya Simo Kimbangu, naza ko reconnaître bandeko na ngai lokola ba martyre indépendance et alternance démocratique. Non, moi je les reconnais. Comment monsieur le prophète, comment olobi ki yozo reconnaître ba onté lokola ba martyre ya indépendance. Yozo sur la bango na cadre nini? Oui, ndeko na ngai na ngena lobaboyé, naza reconnaître ba onté lokola ba martyre ya alternance démocratique ti. Parce que alternance démocratique ti ka jamais ko sala na Congo et démocratie ça même pas na sensité na Congo. Na ma qualité ya prophète incarnation ya Simo Kimbangu. Ndenge lo banzambe lo baki, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Alors pour réussir au Congo, il faut se confier à votre frère le prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simo Kimbangu. Là, je vous révèle ceci. Naza ko reconnaître bande ko na biso ba Rossi Mukendi. Ba like nkulula na bande ko na biso nyonso ba buma bango en tant que ba martyr ya deuxième indépendance, parce que le Congo est dans la voie de la deuxième indépendance. Oyo il faut toujours l'année qui commence, c'est-à-dire l'année 2021. Oyo que ça totalise tout 100 ans ya prophétie ya Kimbangu, parce que na kati ya ba prophétie ya Kimbangu dont je suis l'incarnation, il a été prophétisé que Congo est qu'on soit deuxième indépendance. Et donc, beaucoup ne soient jamais deuxième indépendance sans que tout soit deuxième colonisation. Et donc, là, le parallélisme des formes, qu'est-ce qui était caché là-bas? Il a été caché que première indépendance est vraiment après première colonisation. Oui, c'est le maquis qui n'a pas belge. Et na bande ko na bango mususu ba congolais ba zalaki ba inconscient ba traître mususu ya classe politique ya ba traître. C'est pourquoi ba bomi bande ko na biso ba boma bande ko na biso soki pour rendre compte bien beaucoup là entre 2016 jusqu'à 2020 le long cette transition là il s'allait que depuis 2015 d'ailleurs depuis 2015 jusqu'à 2019 cette transition fait que ba congolais belé ba koufa ba tomber dans champ de bataille. Dans les mêmes dernier comme en janvier 2015, il y a eu des massacres de fausses communes à Maluku. Il y a eu des massacres de fausses communes à Kasai, des massacres de fausses communes à Kamuna Sapo. Donc, Nicolo Babouye, prophétiquement parlant, bande konabiso onyo so baboma bango bazali le martyr de la deuxième indépendance que nous allons avoir totalement l'année prochaine, c'est-à-dire 2021. Ok, toujours retenir ma propos na yo, ma martyr ya deuxième indépendance. Bon, prophète Benjamin, chaque fois tout se commémore, et c'est bien, notamment qui dans le mois d'octobre passé à wa réseau ya ba mouvement citoyen ba sangana ki ba ya ki na palais du peuple kotika ko déposer mémorandum auprès à madame l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale exigeant la mise en œuvre effective il y a rapport mapping. C'est parce que bandeko na biso pe n'est-ce pas que c'est la justice et salement hein ba victime ba c'est la justice tout c'est commémorer mais à condition que la justice pe salement pour na ba victime. Alors sur cette question, quel est le commentaire qui vous là autour il y a question hein? Très bien ndenge otikoloba tozala ki le je me rappelle c'était encore le 30 il y a 11 mois le 30 novembre ndeto zala ki na palais du peuple et sika wapi tokene ko déposer memo et ya l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale que biso on a exigé que implication il y a parlement et gouvernement pour l'installation effective des tribunaux pénal international. Mais ndenge na otay ko ebisa yo lokola toza dirigé na les politiciens ou bazali ba traître ba politiciens ou bazali na complicité dans le système occupation ya Rwanda to sibiraki et tout ce qu'on a subi dans l'Assemblée nationale, on a été tabassé comme les petits enfants, on a été même monopole et je vois qui même facturé ba choc et gloire à Dieu ba ndeko oyo ba sunga kinga na zo continuer jusque là même pour l'ande là ba soin. Mais nanga ki na rappeler et lokomo ko le kaki wana parce que batona ba yeba kité. Lorsque nous avons subi ce que nous avons subi au Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale présentement, nous avons parlé une chose, prophétiquement parlant, que n'engato tient mais qu'on a vu son Palais du Peuple, nous avons déclenché la fin de ce Parlement.
Et on a même donné la date, le 10. Nous avons dit que nous allons revenir. Bah, tu vas comprendre qui les langages prophétiques qui ont été. Et le même 10, on a fait partie Janine Mabunda. Mais je dis, ce n'est qu'un débit. Et ce parlement est appelé à être dissous. Et dissous, et je le proclame en tant que prophète, le parlement est déjà dissous. À toutes ces dimensions, les députés sont corrompus. Maintenant, la problématique au lobby, on ne peut pas rester dans les commémorations. Commémoration, c'est bien pour réveiller la mémoire des autres. C'est une reconnaissance de la lutte qu'a fait nos frères et sœurs, nos frères, qui ont sacrifié la vie, pas pour leurs sentiments personnels, pas pour leurs avantages égoïstes, mais c'est pour une cause juste, la cause de la liberté. Mais c'est comme ça que nous avons le devoir, bisopé, y'a qu'on continue la même lutte, c'est-à-dire de lutter pour la justice. Vous savez, quand on se bat pour la justice, on se bat pour tout un peuple. On se bat pour Dieu, parce que Dieu lui-même est juste. Et la justice élève une nation. Et donc, la lutte qu'il faut faire, c'est notre travail que nous avons, les chars de bataille, c'est de réunir tous les mouvements citoyens, tous les activistes, pour la lutte de la justice dans ces pays. Et pour qu'il y ait une bonne justice, il faut se débarrasser avec les traîtres, les gouvernants traîtres, les politiciens traîtres, occultistes, ou ils ont freinage, ou ils ont travaillé pour l'intérêt d'occupation, ils ont empêché que la justice est salée manakati en Bokanabiso. Et donc, on doit continuer. Et nous avons encore des rassemblements qu'on va faire dès le début de cette année pour que pour continuer la lutte de la libération totale de ces pays. C'est comme ça notre structure, l'Union des Congolais pour la libération totale. Et donc, on continue pour la justice et surtout, le tribunal pénal international doit être installé au Congo, qu'on le veuille ou pas. Et c'est une cause commune que nous tous, en tant que les citoyens, nous devons nous battre parce que aujourd'hui, si le tribunal pénal international était installé, on allait déjà juger la dame Karine qui avait tué Rossi Mukendi. Pourquoi elle n'est pas jugée? Parce qu'il n'y a pas un tribunal. Et il y a des mascarades de la justice nationale avec la complicité des politiciens. C'est comme ça qu'il n'y a pas encore une justice contre la dame Karine ou à l'avantage de notre frère Rossi Mukendi et à l'avantage de notre frère Like Kulula et les autres. Donc parce qu'il n'y a pas encore une justice, et tous les activistes et tous les Congolais normaux justes, nous devons nous battre pour qu'il y ait l'installation du tribunal pénal international. Sans le tribunal pénal international, nous n'aurons jamais une justice pour nos frères. Et les sang, Makila et Bandekonabis, qui continuent à gagner la contribution. C'est comme ça que tous nous devons nous unir et tous nous devons agir pour que la justice soit installée pour notre pays et surtout pour la reconnaissance de nos frères et sœurs qui ont été tués. Je dis bien que tu étais tioué. Bango ba koufa te ke no ba boma ba koufa la na malade. Ba koufa la te ke no ba boma bango. Il y a une différence là-bas. Donc c'est le crime prémédité, le crime préparé. Quand on a tiré aussi Mukendi, on savait qu'il va venir à cette manifestation. On savait qu'il va venir cela. On l'a tiré à bout portant. Donc ce sont des crimes prémédités à qui nous devons nous battre pour qu'il y ait la justice. Parce que la justice, c'est une alternative crédible pour un peuple, pour la reconnaissance d'un peuple. Voilà pourquoi nous devons continuer à nous battre pour qu'il y ait la justice à l'avantage de nos frères et aussi pour qu'il y ait une reconnaissance de ces frères qui ont sacrifié leur vie. Jeunes qu'ils sont, ils ont sacrifié leur vie pour une cause juste, pour une cause noble. Et donc, le tribunal pénal international doit être installé. Et nous, il doit être installé. Et nous devons nous battre parce que sans cela, on n'aura jamais la justice pour les frères qui ont sacrifié leur vie. Prophète Benjamin Kawanga, tout ça dans le gouvernement, tout ça dans les différentes institutions bien établies. Alors, pour nous, nous avons réseau, il y a un mouvement citoyen, il y a une revendication, par exemple, au niveau de Monisco, soit au niveau de la présidence de la République, soit au niveau de Niniwana, de façon qu'il y a une revendication, il y a des causes. Oui, mon frère Willy Lou, aux ans à torté, comme ma revendication n'a pas été à l'institution, aux ans à raison. Mais je vais vous le dire que j'ai lit. Pour votre information, il y a eu des mémos déjà automément na ONI, MONUSCO en représentation. Et j'ai déjà un mémo.
malheureusement yo moko za la qui présent mais moi to memi nanani na l'assemblée nationale ba boy ko réceptionner ngo. Ah donc, fait, la complicité des institutions nationales est déjà palpable. Que les institutions nationales sont déjà complices et ça contre la justice dans le Bokanabiso. C'est comme ça qu'il y a un beau Yakolobela, alternance démocratique. Parce que l'alternance, on est déjà dans les locomotives et les et qu'on peut s'appeler les locomotives, il y a un arrangement de la classe politique, de la tricherie des mafieuses. Alors, c'est comme ça que nous disons, et vite, nous devons amener un grand nombre de la population pour ces revendications justes. Parce que tu as constaté que le gouvernement, le gouvernant, le gouvernant occupant, il y a justice rwandaise, il y a traître, il y a complicité avec le système rwandais, le système qui nous ont tué. Prophète Benjamin, il y a des gens qui ont engagé Kakayo. Mais oui, alors, ça m'engage. Quel sera ça m'engage que moi, j'assume. Quel sera votre mot de la cérémonie où mon aïe à la fin de mot, il y a de la fin à cette occasion. Naza koyebi sa bande konyoso ba congolais qui le prophète Benjamin Kawanga et vous autres on lance l'appel comme naebi sa kibino ki notre bataille actuelle est symbolisée par trois choses: lutter pour le sang, lutter pour le sol et lutter pour l'obtention de la justice. Alors celui qui ne se bat pas pour le sang de ses frères et sœurs, c'est un traître. Celui qui ne se bat pas pour le sol de ses frères et sœurs, c'est un traître. Celui qui ne se bat pas pour la justice de ses frères et sœurs, il est contre Dieu, parce que Dieu est juste. Et donc, battons-nous, agissons tous ensemble pour le sang de nos frères et sœurs, pour le sol et pour la justice, car le sang de nos frères et sœurs crie vengeance. Sans la justice internationale, les criminels ne finiront pas au Congo. Et donc, pour mettre fin aux criminels au Congo, nous réclamons rien que la justice internationale, dont l'installation du tribunal pénal international au Congo. Merci Bandeko Wanezali, mot de la fille à prophète Benjamin Kawanga. C'est lui qui ne littera pas pour les sang maintenant de ses frères à sa traite. Wana Ezali Bamo ya fait, ya prophète Benjamin Kawanga. Merci mesdames et messieurs. Oyo Bolanda Kibiso, Topesibino, Maton Domingi, et puis Bozala toujours braché sur Info 16. Merci. Pour que nous ayons cette alternance, en tout cas, ne comprenez pas mal l'organisation de ne pas avoir affiché ça et les photos ou encore les reliques des autres martyrs. Cette journée est là également. Les membres de famille de nos illustres martyrs qui sont ici doivent en tout cas excuser, si pas tolérer à la coordination ou à l'organisation, cette excuse. Et comme vous le savez, je disais au début que c'est la première édition de la journée de martyrs de la démocratique en sigle JIMAD. C'est la première édition que nous avons commencée en 2020. J'ai introduit la journée d'aujourd'hui pour ne pas vous perdre le temps, mais simplement pour vous dire que nous avons commencé. Nous avons commencé avec vous, camarades activistes, avec vous, membres de famille, avec vous, la presse, avec vous, le peuple congolais, qui ont vécu le moment de tumulte entre les systèmes sortants et entre guillemets les systèmes en place. En tout cas, nous n'allons pas vous tenir rigueur, vous n'allez pas non plus nous tenir rigueur. Nous sommes pendant le moment de festivité. C'est vrai qu'il y aura certaines raisons qui ne permettront pas aux uns et aux autres d'être là jusqu'à la fin de la journée. Oui, nous comprenons, mais comprenez aussi et également que c'est une journée porte ouverte. C'est une journée où nous accueillons tous les peuples congolais qui voudront avec nous honorer nos martyrs.
Ce n'est pas une journée où le protocole est ou sera strict envers quiconque. Nous honorons les martyrs de l'alternance démocratique dans la République démocratique du Congo. Nous sommes un État laïque. Si nous étions dans une fête, j'allais nous demander de se tenir debout pour une prière, malheureusement. Chacun avait déjà prié chez lui à la maison. Comment Satan peut intercéder au fond de son cœur pour que Madame Lapuy ne vienne pas gâcher cette ambiance? Sinon, on va se tenir debout à défaut de prier pour l'hymne national. Nous sommes tous congolais, le père et le maire, ça je le crois, à défaut de ceux qui se sont naturalisés congolais, mais ils sont congolais. En tout cas, nous vous invitons humblement et honorablement, dans le respect de votre... Merci beaucoup. Rapidement, chers camarades, distingués invités, je me permets, pour ceux qui n'ont pas les invitations en main ou le programme, de vous rappeler l'importance de la dite journée, d'aucuns l'ignorent d'ailleurs, mais acceptez que nous les rappelions dans peu de temps. Elle est intitulée « Journée d'exposition ». Comme vous pouvez le constater, à gauche et à droite, nous exposons des affiches, photos, reliques, comme vous voulez, et nos martyrs que vous allez visiter. Ça sera une visite guidée, exposition, dépôt de gerbes de fleurs et signature dans les livres d'or par les personnalités et organisations. Nous sommes sûrs qu'ils vont nous rejoindre, les personnalités. Il était également prévu que nous soyons honorés par la présence du président de la République, des membres du gouvernement, des honorables députés et sénateurs, le cadre des partis politiques invités, le corps diplomatique et organisations internationales, le premier ministre honoraire, les syndicats et les institutions d'appui à la démocratie, les structures de la société civile, ainsi que vous, les activistes pro-démocratie, militants de mouvements citoyens. Si on fait ça, les menus de la journée, si pas les canevas de la journée d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, comme à l'accoutumée, nous avons notre manière d'animer, nous avons notre manière de célébrer les activistes, nous avons notre manière de chanter, nous avons notre manière de louer, permettez-moi, ce sont des mots qui viennent comme ça. Louer, adorer, ce n'est pas seulement Dieu, ce sont des verbes qui existent, mais c'est une manière, une façon pour nous de faire. Nous allons inviter, comme l'a dit hier l'abbé Kalonji, des héros blancs. Les héros blancs sont ceux-là qui sont vivants et qui sont ici avec nous. Ils savent mieux faire ce que je ne voudrais pas faire. Je le cite, ils vont me le permettre. Jean-Dédé Kilima, H.D. Moussassa et le grand-père Samuel Mukuna, Aaron Mukalengi, Nera Kaninda et Jean-Paul Moulumba, je crois, ainsi que les autres. Eux, ils vont nous animer, comme d'habitude. Eux, ils vont nous démontrer, en fait, disons comme ça, la façon de faire, pour qu'on ne confonde pas la journée d'aujourd'hui à un deuil, pour qu'on ne confonde pas la journée d'aujourd'hui à des obsèques, je ne sais pas de qui, mais nous sommes venus, en fait, aussi célébrer la bravoure des martyrs, parce qu'il est dit qu'un esprit de la liberté ne se laisse pas endormir éternellement. L'esprit de Luc, l'esprit de Rossi, ainsi que des autres, ne se sont pas endormis. Ils sont là. Ils n'ont pas choisi de s'aligner derrière un avenir qu'ils ne les auront pas choisi. Voilà pourquoi ils en ont payé au prix de leur vie.
c'est un prix le plus fort. C'est un prix qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas monnayer. C'est un prix qui vaut plus que de l'or. C'est un sacrifice suprême. C'est un grand sacrifice. Et ça mérite des hommages et des honneurs. J'aime certaines phrases quand les gens les disent, qu'on ne pleure pas des martyrs, mais on les célèbre. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes venus dans cette journée d'exposition pour les... et de notre manière. Comme nous l'avions dit, c'est la première édition. Nous allons célébrer nos martyrs. Nous allons les célébrer de notre manière. De la manière des activistes pro-démocratie. De la manière des défenseurs de droits de l'homme. Ils ne sont pas uniques, je l'ai dit. Au travers eux, nous voyons Chebea. Au travers eux, nous voyons des Fidel Bazana. Au travers eux, nous voyons Thérèse. Au travers eux, nous voyons Eric et tous les autres martyrs. En tout cas, sans plus tarder, je vais demander aux personnes dont les noms venaient d'être cités tantôt de me rejoindre dans cette, appelons ça une piste comme ça, de me rejoindre ici et à tous. Monsieur, j'aimerais inviter tout le monde, que vous soyez activiste ou pas, journaliste ou pas, membre de la famille, distingués invités, venez vous joindre à nous afin que nous puissions pleurer les nôtres comme à la coutumière, comme nous le faisons d'habitude. Nous allons faire un petit rituel, permettez-moi. Nous allons chanter, contempler ce qui était avec nous pendant quelques années, pendant l'air viré sur cette terre, nos amis, nos frères, nos parents et autres. Pour ne pas abuser de votre temps, je vous invite, venez vers nous, nous allons faire un petit cercle, nous allons chanter et puis vous allez retourner à vos places respectives et puis nous allons continuer avec le programme. Main dans la main dans la main. On a souvent entendu parler de Lumumba, nous avons entendu parler de Simon Kimbaru. Mais les deux frères que nous parlons ici sont des amis et nous avons connu Lumumba. Et parler aujourd'hui, citer leur nom, fait partie de nos plus grandes fiertés. Et aujourd'hui, notre génération est respectée parce que nous sommes inscrit dans l'histoire de la République démocratique du Congo, dans l'histoire de l'engagement citoyen en Afrique. Aujourd'hui, quand on parlera de ceux-là qui ont fait quelque chose pour ce pays, on ne manquera pas de citer nos deux frères assassinés, tués pour ce que nous avons aujourd'hui, l'alternance démocratique, pour la première fois en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents
dans l'au-delà où vous êtes. Quand nous montons dans le monde spirituel, dans l'au-delà, on vous voit déjà proche, côte à côte, main dans la main, à côté de Lumumba, à côté de Simon Kimbangu, à côté de Florida Djébé et de Fidel Bazana. Vous êtes ensemble avec Eric Coloco. Eric Coloco, j'ai souvent cherché ces photos partout. Un jeune assassiné comme Rossi, mais bon, nous n'avons même pas ces photos. Nous n'avons pas ces images. Et c'est que dans l'au-delà, vous êtes ensemble en train de nous regarder comment est-ce que ce pays est en train d'évoluer. Thérèse Papangal est à côté de vous. Général Mahouma est à côté de vous. Kipanvita est à votre côté. Et nous voyons Mamadou Dala, les guerriers sont à tomber sur le champ de bataille à votre côté. Rossi Mukendi, Thérèse Papangala, Lukoula, vous êtes nous. C'est chaque fois qu'il y avait de fortes pressions que tu avais le grand courage de nous pousser devant. Et nous sommes réunis ici avec tous les grands esprits de la République pour prier à ce que le Seigneur vous donne sa place parce que vous avez fait le combat. Le combat pour toute l'humanité, pour des générations qui ne vous ont pas connu physiquement. Aussi, ta mort, je l'ai apprise aussi avec beaucoup de tristesse. Ça me fait penser à Obedi, notre jeune activiste de la lucha, qui venait aussi d'être lâchement assassiné à Beni. Vous êtes si nombreux qui avez perdu votre sang sur le chemin de la lutte. Cette lutte n'a pas pris fin. Elle est entrée de germer dans les esprits par-ci, par-là, dans les structures citoyennes, dans les universités, dans les écoles, dans les maternités, même dans les grossesses. Je sais que vos idées sont en train de renaître. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas facile d'accepter votre disparition. Je me rappelle encore, ça sera peut-être pour moi, un épisode qui sera complété par Lynn, qui était aussi à tes côtés. Je ne sais pas si on aura aussi des mots, mais je pense que l'université populaire, ou ce que tu appelais encore une heure pour la patrie, c'était aussi le fruit de tes idées. Tous les activistes, tous les héros de l'ombre, tous ceux-là qui ont perdu leur vie pour voir un Congo à fait nouveau, juste, équilibré, équitable, où toutes les tribus peuvent avoir accès à la paix, à la justice et à l'unité. C'est ça ce Congo que vous aviez longuement rêvé. Et ce Congo sera acheminé par tous ceux-là qui sont avec vous et à vos côtés à cette heure. Le dernier message que tu avais donné encore une fois de plus, c'était celui de nous dire que c'est dans la souffrance qu'on peut atteindre son objectif. Et j'avais du mal à interpréter ça, lui. Je suis très ravi aujourd'hui en fait que nous ayons abandonné tout ce que nous avons comme occupation futile pour lui-même devant vos mémoires. Aussi, Nicolas, Obedi, Mamadou, Kipanvita, la liste est très très longue, Mouzeye Laurent Désiré, avec tous les nationalistes qui sont ici avec nous. Foïbé Karambou est là devant moi qui était son ami personnel. Réveillez-vous dans les maternités, réveillez-vous dans des écoles, dans des universités, on ne vous oubliera jamais. Et tous ces esprits ici poursuivront votre chemin. Nous prions que le Seigneur vous donne sa miséricorde et que votre combat réincarne pour un Congo juste et honnête. Repose un peu en afin d'exiger qu'on ait les élections qui nous amènent à l'alternance démocratique dans ce pays. Je me rappelle des manifestations du 30 juin, ici sur 24, quand la police est venue nous disperser avec des gens des partis politiques dont l'UDPS, on appelle avec Kamunda à côté, on a failli tirer sur nous. Et nos frères étaient autour de nous avec Matoumo et moi. Nous avons perdu le nôtre. En Luc Touloula et Rossi Mukendi. Pour
pourquoi? Juste puisque nous avons exigé que le pays accepte les principes démocratiques comme mode de gouvernance du pays. Rien ne peut expliquer que des gens qui ont consacré leur vie pour les changements dans ce pays se retrouvent oubliés. Voilà pourquoi pour les casques aujourd'hui, nous célébrons lui, nous célébrons Rossi et tous les martyrs de la démocratie dans ce pays. Nous estimons que chaque le 30 décembre, tant que ce pas reconnu, deux monuments construits dans ce pays, à Goma et à Kinshasa, respectivement pour lui et Rossi, qu'on les reconnaisse comme des héros nationaux, se sont battus pour la liberté, les droits, la démocratie et la gouvernance, la bonne gouvernance dans ce pays, ça sera inacceptable. Et nous devons nous battre sur ça. Rien ne se donne, il y a d'autres choses qu'il faut arracher. Je suis très ravi de voir tous les frères et sœurs qui sont réunis ici dans les différents mouvements. Mais nous, on n'abandonne pas la lutte. On doit aller de l'avant. Nous ne nous battons pas pour le pouvoir. Nous nous battons pour un Congo nouveau. Nous nous battons pour un Congo changé, un Congo transformé. Rien ne peut expliquer ce que nous avons comme disparité entre le niveau de la pauvreté et le niveau de richesse naturelle que nous avons dans ce pays. Pourquoi on va vivre dans la misère? Et ces mêmes qui nous gouvernent, ils viennent aujourd'hui comme des moutons, puisqu'ils n'ont pas le pouvoir. Le lendemain, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent aussi des méchants contre le peuple qui les a amenés au pouvoir. C'est inacceptable. Notre combat n'a pas fini. On est au début. Mais nous réclamons rien que la reconnaissance de nos martyrs. Rien que cela. Nous ne demandons pas des ministères, des gouvernements et autres. Et pour la cause noble, tout le Congo, il a sacrifié sa vie. Il a coloré les seuls congolais rouges de son sang, comme il l'a dit avant sa mort, sa dernière publication. Alors, pensons à nos héros, pensons à Kapangala, pensons à Eric, pensons à tous ceux qui sont partis, tous les Congo, pour qu'aujourd'hui qu'on ait l'alternance. Oui, c'est l'alternance. Mais est-ce que les combats, on doit mettre fin? Est-ce que les combats, on doit oublier? Non. Nous devons penser à la grandeur que le Congo a besoin pour son développement aujourd'hui. Alors soyons unis, demeurons ensemble, parce que toujours nous sommes ensemble. Dans l'activisme, nous sommes toujours ensemble, nous sommes plus forts. Main dans la main, nous irons de l'avant. Personnellement, je suis l'ami à Luc, la personne avec qui j'ai marché tout le temps, matin, midi, soir. On a en fait beaucoup de choses ensemble. Je ne sais pas quoi dire par rapport à sa disparition. Il y a des élèves qui nous disent, on a tendance à témoigner de beau quand la personne n'est plus là. Mais moi, je dirais, Luc était vraiment un bon garçon. Un homme fort en esprit, était l'une personne à me relever. Pas nécessairement dans la lutte, même dans la situation familiale. Luc était un homme fort. Même là où il y a des néants, là où on s'est dit, ici ça ne va pas marcher, il me donnait toujours espoir et ça me relevait. Depuis 2011, que j'ai connu Luc à l'université, quand il fut président, il fut candidat président des étudiants à l'UNICOM. Quand je voyais son échec, moi je me disais, de toute façon, il est un homme fort, grand en esprit, et on peut constituer ou faire quelque chose ensemble qui devrait aboutir. Et à des moments, je lui posais une question, qu'est-ce que tu vois par rapport à la situation du pays où toutes choses ne marchent pas. Éric me disait, j'ai espoir que ça changerait. Et à un certain moment, après que le M23 est entré à Goma, vous savez, le chaos s'est dépassé. Et nous, on s'est dit, en tant que jeunes, on doit nécessairement faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre mouvement, la lucha.
Lucha qui est une inspiration aujourd'hui pour la jeunesse congolaise. Quand je vous vois tous, ça me fait du bien parce que vous avez compris l'idéologie et vous avez emboîté les pas de dire non aux antipanaires, non aux choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, on est unis. Luker aussi, Thérèse, Freddy, Obadi ne sont plus là. Mais le combat revient à nous. Nous devons agir. Nous devons faire quelque chose. Que la situation de leur monde ne nous décourage pas. Moi, je sais que l'avenir, le destin de ces pays, c'est entre nos mains. Luker est parti, Rossi est parti. Maintenant, qu'est-ce que nous nous dressons pour un Congo meilleur? Ouais, bonjour, cher ce monsieur. Jean-Claude Ekossa, coordonnateur adjoint du mouvement citoyen, représentant national du mouvement citoyen, il est temps, et coordonnateur adjoint du collectif d'action de la société civile, casque en sigle. Merci, Namouni, Bandeko Ebele, Batatana, ma maman, Bazo, Landayo, Naminiti, Oyo, Balingi, Bayeba, Toza, Awa, Place Nini, et puis Toza, réunis autour de quelle cérémonie, en tout cas, Pessa, Bango, moi, grande et sérieuse précision. Bon, Tosangani, Awa, Pambate, il fallait to commémorer Bandeko Nabiso, Batika Kibiso. Boebi, Pambate, régime ou les kaki et ça qui n'a pas coco son makasi balinga qui organise l'élection mais bande qu'on a mis surtout ça qui n'a bango tout bunda qui n'a bango pas battre tout zoa qui alternance ouana et ali bongo aussi mon kendi na likulula tout ça qui n'a bango na lingomba ya casque tout bunda qui n'a bango elongo talan lelo tout zui alternance démocratique ou et ça qui bongo et mema qui tata ekolo Félix Tshisekedi Fachi Béton na pouvoir yango na tout senga qui keto s'arrêter hein tout s'arrêter pour na to tombola bandeko o ya biso ya casque peto rendre bango hommage c'était un peu ça. Merci monsieur le coordonnateur. Bon na yebité bozolo ba toye ko commémorer ainsi de suite. Alors chaque année ko zalaka ka commémoration et c'est bino ba activiste de défense des droits de l'homme. Boko ki ko instituer ko luka elo ko mon côté que ko ki ko sala par exemple la justice pour tous de telle façon que bato oyo bazala ki victime na ba divira et atrocité, que la justice soit de leur côté. Alors, par rapport à cette façon de voir les choses, alors ça ne vous dit absolument quelque chose derrière? Non, mais je pense que la journée de martyr de l'alternance démocratique qui est appelée en sigle JIMAD est instituée dans cette optique-là. L'optique est que à l'issue de ces journées, on va faire des lobbying. On va faire des lobbying pour attirer l'attention des autorités étatiques pour que la justice puisse s'y pencher par rapport à ces problèmes, notamment des Rossi Mukendi, des Likulula, de Ebike Pambate Justice et Salaki Banquette, mais Souka Kinanzela, mais avec espoir, il y a régime, il y a président de la République, Félix Tshisekedi, n'est comme même avant Yassika. Il y a un moment de na fiche, na biso bo mona ke to komi même élevant Likulula et Rossi Mukendi au rang des zéros nationaux Kabila Lumumba ezali bongo na optique wana tango justice akopeta mbela to eba kozwa ba résister escompté petro senga na tata mokonzi oyo azali na batribution na ye ya ko élever bato au rang des zéros nationaux. Ça va monsieur le coordonnateur, le coordonnateur, si c'est ordre même d'idée au moins était que na robenga yango eza injustice team. Je pense que jour wana pe batebele batombaka eza non seulement Rossi Mukendi ou soit Tendekoli qui bande monsieur Bele baza mais na ba différentes affiches to zomona awa c'est comme si que baza passé na ba oubliette. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, je pense pas qu'ils sont passés dans les oubliettes. Hier on avait célébré une messe en mémoire puis spécifiquement de Rossi Mukendi et Likulula. Pourquoi? Parce que ils étaient nos amis de lutte, ils étaient activistes et ils étaient membres du collectif d'action de la société civile. Mais il y avait aussi une intention spéciale à nos amis aussi qui étaient tombés, notamment de Thérèse Kapangala, de Ngindou, de l'INC, tout ça, tout Sambelela qui bango lobby. Mais awa tant que zali kaskende mouto initié, ba makambo yo ba activité o yangwana to mettre en avant bande konabi somi balo bazaki ba membre ya collectif d'action de la société civile. Bonjour Neko. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est monsieur. Mais c'est Aaron Mukalengi. Ça va. Na minute oyo bande ko batata ba mama bazola ndayo en direct sur Info 16 balingi ba yeba awa to zwa mi wapi et puis to ko sala nini yao.
que ce soit mis dans le musée national, il y a RDC. Tu es un peu honoré, mémoire, il y a des conabiso au Bazali. Lipikulula wa mwamba na kusimu kendi chimanga kasi zaka bango mi balete ndi bazalo kwa ba ero na biso me bango to afiche bango vike to bandi da première édition na ba date oyo eza historique pona groupe oyo bongisi ma bongisi oyo kaske abandaka le 29 décembre 2017 yango to ye d'abord ko honorer li kwa za ki initiateur ya kaske na kulula na kusimu kendi wa kufa ki na bal na Kinshasa. Monsieur le coordonnateur, au moins il était que nous voilà, la façon dont il y a des comme ce qu'on interprète comme on est la Makambo. Ce ne sera pas une sorte d'injustice ou soit. Tout le monde a une affiche, tout le monde a une photo de Rossi Mukendi et puis il y a un indécolique. Mais Thérèse Kapangala, tout le monde a une comme ce qu'on a. C'est parce que le jour où il y a un tébélé, il y a un. Alors, par rapport à cette façon de voir les choses, au gros, pour interpréter, soit au gros, il peut s'appréciser par la bande de Bondéni. Oui, Nega Nautikoloba, Oezali, casque, collectif des actions de la société civile. Alors, Ligue Kouloula, Zali, initiateur, il y a collectif Oyo. Tozui, date Oyo pour la Ligue, Tozui, Rossi Mukendi comme héros, Oya Koufaki, martyr, il y a marche à CNC. Nayango, lobby boye bazali ka bango mi balete mais nenge boye bi na affiche to ko tia ba tunyo sauté to tika ka o ezali comme symbole to symboliser ka na deux figures wana mais les restes des martyrs to bosani bango te et puis na lobby sur ezali première édition malayasima to ko afficher nkulu la te to ko afficher rosite mais to ko tia msu ka panga la yemoko ya msu su Eric yemoko so yipe photo ne ko mona na donc bande ko ba zo ngo mabete ba lo bate ke to long mais ça juste première édition il y a un auto symbolisé dans notre tumi balewana au basali comme un mentor même il y a une manifestation même il y a un mouvement à société civile. Bonjour monsieur, merci beaucoup. Si nous nous sommes retrouvés ici d'abord c'est pour commémorer comme vous l'avez annoncé le mémoire de nos vaillants compatriotes activistes qui sont morts sur les champs de bataille, c'est-à-dire sur les champs d'élite pour un Congo nouveau. Mais aussi une réclamation que ces gens, bon, on ne peut pas les réclamer, un rappel que ces gens sont des héros parce que pour nous ils le sont et pour tous les Congolais, mais qu'ils soient alignés quand même à l'ordre des héros parce que leur combat n'était pas pour leur famille, mais plutôt pour la nation congolaise. Nous avons pensé à eux, ils sont morts, Ligue Kouloula, il est mort récemment, il n'y a pas beaucoup d'années, aussi également dans des manifestations, dans des veillées toujours de l'alternance, parce que la constitution congolaise était prise en otage par un groupe d'individus et on ne pouvait pas rester tous en train d'applaudir un groupe d'individus. Nous avons des lois qui régissent la République et nous devons faire respecter ces lois. Nous nous sommes mis dans la rue, dans des manifestations pacifiques comme les reconnaît la Constitution, mais certains d'entre nous ont perdu de leur vie. Et jusqu'aujourd'hui, silence radio, c'est comme si c'était des mouches qui étaient écrasées. On ne peut pas sommeiller. Chaque jour, tous les activistes qui étaient avec nous sur ce chemin n'ont jamais eu même une seule seconde de sommeiller, sans même de sommeil plutôt, sans même penser à ces vaillants activistes. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés, les casques, la lucha et tous les mouvements, Echa et tous les activistes des mouvements citoyens, de nous retrouver, de nous incliner autour de leur mémoire, d'allumer des bougies pour leurs esprits, mais également de renouveler ou revivre la lutte qui était entre eux, mais aussi faire un rappel sur la justice par rapport à leur mort. Cela aussi constitue une interpellation aux gens, aux autorités, de bien vouloir officiellement reconnaître ces jeunes compatriotes congolais au rang des héros. Parce que leur combat dépasse même le combat de certains héros que nous voyons être brandis uniquement pour des intérêts politiques ou géostratégiques. Voilà pourquoi nous avons abandonné tout ce que nous faisons, les casques, la lucha, Filimbi, les réseaux d'influence citoyenne, tous les esprits sont venus, celles-ci, pour commémorer cette journée. Et on n'a pas pu faire allusion à beaucoup de gens qui ne voulaient pas venir. Nous comprenons qu'ils ont leur intérêt ailleurs, mais nous nous concentrons toujours sur l'intérêt de la République. Ok, qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui vous suivent en direct maintenant et par rapport de ce qui s'était passé? Alors, nous allons toujours continuer chaque année à commémorer, au lieu qu'il y ait maintenant une justice équitable pour que les victimes qui sont sous la terre maintenant de nos ancêtres, que la justice s'efface à leur faveur. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport? Dans de nouvelles démocraties comme la nôtre, mais comme dans d'autres États, la justice, c'est un processus aussi. Nous savons tous comment les morceaux ont été réunis avec tout ce que le pays a à connaître. Comprenez que nous avons des gens qui n'ont pas de bonnes intentions pour cette République. Parce qu'on n'a pas besoin de rappeler aux autorités la justice. C'est ça même le levier. C'est ça même la boussole pour le contrat social qui réunit les dirigeants et les dirigeants.
Mais on ne peut pas rappeler à quelqu'un qui doit prendre de l'eau quand il a soif. Mais c'est regrettable. Écoutez, nous, l'unique force que nous avons, c'est la force de la loi et de la force de la population. Quand nous sommes du côté de la loi, nous avons la main sur le cœur. Quand nous sommes du côté de la population, nous sommes tranquilles. Nous rappelons aux instances de la République, parce que nous ne sommes pas dans une jungle, tout simplement de nous mettre dans nos droits. Nous remettre dans nos droits, ça veut dire quoi? Illucider. Nous faire remarquer les individus qui étaient impliqués dans les morts des activistes, pas seulement pour ceux qui sont morts, mais pour ceux qui restent aussi, parce que nos vies sont toujours en danger. C'est-à-dire, le message s'adresse particulièrement aux dirigeants de la République, à toutes les instances, de bien vouloir respecter les droits des manifestations et de savoir qu'on ne peut pas parler du développement sans démocratie. Cette démocratie, c'est le socle de tout ce qu'on peut avoir comme projet. C'est bien d'avoir des bons textes, mais il faut avoir les autorités capables de mettre en œuvre ces textes. Et nous nous sommes engagés, minoritaires que nous pouvons être, mais nos idéaux sont maintenant en train d'intégrer toutes les familles et toutes les maisons de la RDC. Nous ne sommes plus minoritaires comme hier. Toute la population congolaise est derrière nous et les actions sont envisagées. Ce n'est que le début. Ça, vous savez bien, les casques, le mouvement citoyen, CELSER, nous avons toujours eu la première des choses, c'est de respecter des lois. Et après, passer à l'action. Donc nous sommes en train d'alerter et d'avertir toutes les instances sur le respect des droits de l'homme. Et nous voulons que justice soit faite pour les activistes qui sont morts, pour toutes les victimes qui sont mortes sur le chemin des luttes, sur le chemin des actions citoyennes, que justice soit faite. Nous voulons assister à des procès pareils et non pas des procès bidons ou à des procès d'intérêt politique. Nous avons besoin de voir les gens à la barre pour répondre aux actes de tirer à balles réelles. Les contribuables payent les moyens pour que la sécurité soit là, pas pour que les armes se tournent contre les paisibles citoyens. C'est dommage que vous payez pour votre propre mort. On n'a pas payé des taxes, on ne les paye pas pour que Rossi soit tué, on ne les paye pas pour que l'IC soit tué, mais plutôt pour que les ADF soient éradiqués, pour que tous les groupes armés sortent, pour que nous nous promenions sur l'étendue de la République. Mais malheureusement, nos services de l'ordre tournent les canons contre les manifestants qui sont pacifiques. C'est dommage et horrible. Mon message principal s'adresse aux services de l'ordre. La police nationale congolaise, vous avez prêté serment au drapeau de la République. Vous n'avez pas prêté serment à un individu. Vous ne pouvez pas répondre aux ordres mal donnés. Vous ne pouvez pas abattre vos frères sur le chemin d'élite. Vous nous avez décis en nous faisant vivre le cadavre de Rossi. Nous avons pleuré et nous continuons à pleurer parce que nous l'avions vu mourir comme ça par une balle. Une balle qui vient de la République démocratique du Congo, qui tue un Congolais, mais qui cesse de, ou qui arrête de tuer, ou qui ne veut pas tuer un ADF ou un FDLR sur le sol congolais. C'est regrettable. Nous demandons à la justice, nous l'imposons, parce que la justice se mérite aussi de nous remettre dans nos droits, que toutes ces familles qui ont perdu puissent retrouver droit et que nous nous soyons à l'aise en voyant ces gens derrière les barreaux, parce qu'ils sont identifiés, ils sont connus. Les actions vont se poursuivre et ce n'est que le début. Nous sommes en train de planifier la suite pour revendiquer que justice soit faite, parce que c'est la justice et élève une nation. Merci. Je vous remercie. Mon frère, si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport aux idées de notre frère. Notre collègue a tout dit. Effectivement. Nous sommes là et nous n'allons pas abandonner tant qu'ils ne sont pas reconnus comme héros nationaux. Ils se sont battus pour ce pays. L'alternance que nous connaissons aujourd'hui, c'est cette lutte. Aujourd'hui, vous voyez, les partis politiques ne viennent pas, mais hier, nous étions avec eux dans des marches. Ça veut dire qu'ils se battent pour leurs intérêts et quand ils en ont eu, ils se retirent calmement. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Puisque ceux qui ont tué hier, on les connaît, ils sont avec nous, ils tournent, ils sont libres, ils s'enrichissent et ils ont des postes. Ils s'unissent même avec ceux-là que nous avons estimés qui pourront garantir la liberté et les droits dans ce pays. C'est inacceptable. Nous, on est là. Et chaque année, on y sera le 30 décembre pour réclamer qu'il soit reconnu comme héros national. On va le faire et on le fera même dans la rue s'il le faut, s'ils ne savent pas réaliser cela. Puisque là, on ne demande pas leur poste, on ne demande pas qu'on soit reconnu, nous, à un niveau quelconque, mais tout simplement que justice soit rendue à nos frères qui sont morts et qu'ils soient reconnus comme héros national. Mais la fois dernière, les chefs de l'État avaient organisé les consultations et puis nous avions vu accueillir le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Qui est membre honoraire. Effectivement, qui demande qu'il y ait maintenant la justice, qu'on puisse maintenant instituer la justice internationale pour la RDC pouvoir juger tous les auteurs, tous les criminels qui sont cachés. Puis lui avait considéré que la coalition n'est pas une sorte d'oasis qui cache maintenant toutes les personnes qui ont commis les différents crimes. Alors qu'est-ce que vous allez mettre des commentaires par rapport d'abord, à cette façon de voir la coalition FCC cache. Pour nous, en 2019, début 2019, nous avons appelé la population à l'accompagner, puisque pour nous c'était une transition qui ne dit pas son nom, une transition de 5 ans.
On réclamait des élections libres, transparentes, équitables et réellement démocratiques. Mais bon, on a eu ce qu'on a eu. On s'est dit que c'est une transition où on a une co-gestion entre le président Félix et d'autres du FCC que nous avions voulu qu'ils partent totalement. Donc c'était bon, on s'est dit c'est acceptable comme ça, pourvu que 2023 soit de bonnes élections. Malheureusement, la cacophonie que nous avons remarquée entre ces deux, le FCC et le CACH, on a compris que le pays ne va nulle part. On continue à nous enfoncer davantage. Depuis le 13 juillet 2020, nous avons commencé une campagne pour demander qui est de lui. On s'est dit, bon, ok, c'est une sorte de dialogue qui est faite. Et quand on voit maintenant ces changements à la tête des institutions, on s'est dit, c'est bon, on voit finalement ce système que nous avons combattu en train de partir. Mais nous voulons faire passer un message pour dire, même ceux qui entrent, plus jamais ça. Il n'est plus question qu'on ait des difficultés à organiser les élections, que les gens campent sur leur camp pour ne pas quitter le pouvoir et laisser à d'autres. Nous voulons de vraies élections dans ce pays et que cela soit respecté par tous. Mais aussi que justice soit rendue puisqu'il y a eu beaucoup de violations des droits humains. On a connu des tortures, on a connu des emprisonnements, on a connu même des crimes odieux tels que ce que nous avons ici. Et ça ne doit plus se répéter dans ce pays. Et pour que nous soyons rassurés que ça ne doit plus se répéter, il faut absolument, je dis bien, absolument que justice soit rendue à Luc, à Rossi Mukendi et à d'autres qui sont partis en train de réclamer la démocratie dans ce pays. Merci. Ponanga et Zali, honneur d'abord particulièrement, comme on a cérémonie à Boé, pour commémorer les personnages qui ont marqué l'histoire, la première histoire de l'alternance de notre pays. Les Elokomoko, très louables et très encourageants. Nous les encourageants parce que ce sont des icônes. Les icônes aujourd'hui, ils doivent être honorés au niveau des héros nationaux, dans l'ordre à Lumumba puis Kabila. Donc ce sont vraiment des gens, des personnages sur qui Oyo, un jour on peut raconter, si on a eu telle chose, c'est parce que ces gens-là se sont battus et ils se sont engagés sur le sacrifice suprême. Donc Ngaponanga, c'est un honneur et je continue à soutenir le combat et à avancer dans le combat jusqu'à ce que la RDC va se revêtir de son habit de gloire et de prospérité. Merci, notre animation, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Toto Mwinga. Papa, na Kevin, agent 16, j'étais à Mila, Bazako, Katessa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.